Eh bien, au sein de l'équipe de gestion obligataire, nous avons mis en place une méthodologie permettant de suivre les caractéristiques de durabilité des pays émergents. Alors, le fondement de l'étude est basé sur une agrégation de données quantitatives relatives aux trois pôles de durabilité définis par notre secteur d'activité, à savoir l'environnement, le social et la gouvernance. Et afin de dynamiser notre approche, on utilise l'intelligence artificielle pour prendre en compte et rationaliser des données qualitatives plus récentes. Ainsi, lors de l'analyse de crédits souverains, on utilise cette étude continue et dynamique afin de factoriser les risques et les progrès des pays émergents sur les trois angles de durabilité. Ceci nous permet d'appréhender nos portefeuilles à travers le spectre des objectifs de développement durable ou ODD mis en place par les Nations Unies. Le but étant de comprendre l'impact de notre allocation souveraine.